Salut tout le monde, c'est Axe. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver sur Kena, Bridge of Spirit. On poursuit notre aventure et peut-être finir notre aventure dans cet épisode. Kena a perdu tous ses petits rots. On s'est emmerdé, j'ai envie de dire, à en récupérer un maximum. Je ne les ai pas tous récupérés, bien évidemment. Voilà, j'ai avancé aussi. Et bah, le problème, c'est que on n'a plus nos rots et il va falloir qu'on entre dans le sanctuaire de la montagne sacrée. Et potentiellement affronter Toshi et le monstre qui pourrait incarner les petits rots. Donc bah c'est parti, on se lance et on va voir ce que ça donne. Ok, on vient de traverser le temple de la montagne. Oh, il y a des esprits. C'est magnifique. Intrigant, flippant et magnifique en même temps. Alors, est-ce qu'on voit... On voit pas les traces. J'aime bien voir les traces de pas dans la neige. En général, c'est quand même signe d'une qualité graphique un petit peu plus poussée, mais... Ça pue comme truc, non? Ouais, il me semblait. Donc la créature qu'on a vue. Waouh. Ouais, c'est ça. Ok. Ah. Lui, il est à ma hauteur, je peux pas le tuer. Si, la caméra elle est bizarre. Ok. Portail. Ah. What? Ok, lui il est éclaté. Ah! Ils m'ont lâché des petites choses. Ah, les... Non! Tiens, prends ça. Bam. Hé hé, tu as pas vu venir, hein, la contre. Hop, hop, hop. Close. Voilà. Ah. Oh. Comment je fais pour les récupérer? Interagir peut-être. Yes. Ah. Voilà. Récupérer quelques rots déjà. C'est intense. Wow, 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 wow.
Tiens, prends ça. Ah. Ok. Ok. Là derrière. Aïe 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 aïe. Ok. Prends ta main. Fais voir ta main, j'ai dit. What? Ok, on l'a eu. Suis la jambe à l'arrière. Oh, je vais t'avoir. Yes, sir. C'est un truc de fou. Oh. Là, je vais où? Et là, je vais où? Ok, lui. Ah, raté. Mais zut. Wow. Là. Voilà. Voilà. Ensuite. Voilà. Et ok. Ouais, un peu trop bas. C'est bon. Une flèche chargée, c'était mieux. Une flèche toute seule. Allez, c'est reparti, c'est pas fini. Ok. Waouh, il s'est éclaté dans tous les sens. Merci, mais...
Oh, c'est une dinguerie. Oh là 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 là. J'ai l'impression qu'ici il faut juste survivre. Là, je comprends pas trop ce que je dois faire. Je vous avoue. Ah, ok. Ça c'est fait. Non, moi. Ok, il faut l'affaiblir. Allez, allez, allez. Ok, donc c'est de ce côté-là. Yay! Allez, allez, allez! Tu t'es mis à l'autre bout aussi. Allez, reviens mon gros. Allez, c'est bon. Ah. Moi de la vie, parce que si je dois affronter Toshi après... Waouh. Hey, petit pote. Tout va mieux. Sisters trusted in the power of the mountain shrine. Its waters nurtured our village, gave us life, strengthened our connection to the spirit realm. I could not understand why it would betray us.
home was crumbling. And the people looked to me for answers. I failed them. And could only watch as life drained from the village. So we should do nothing? You should take action. The creature is connected to the balance of the land. Its presence, the famine, they are part of a natural cycle. The land needs time to heal. We must cross the mountains. It's time to look for a new home. Your faith in the old ways has blinded you. Oh. Lead our people, and they will follow you. Tu vas pas le mener comme il aurait dû. Zajiro, you have the power to stop this. We should drive it out. Put down the staff, Toshi. I will end this suffering. Oh. Ah, c'est là où on vient de se battre. Why are you punishing us? Il était désespéré. Ça n'excuse pas tout. Don't turn your back on me. Listen to me. OK. Non. We devoted ourselves to you. Il est puissant. T'as brisé l'équilibre. C'est donc ça le cataclysme. Change was an essential part of life. He understood the Rot God's purpose. Fear drove my actions. And I destroyed something beautiful. Aveuglé par la colère. Just listen to Zajiro. How many could have been saved? I'm sorry, Toshi.
We're not meant to suffer such pain. Grief is natural, but it can imprison us, change who we are. Your torment has lasted long enough. Nothing will change what happened here. You must forgive yourself so the land can heal. Come, Toshi. Our time here is over. L'équilibre est restauré. Goodbye, Kena. There is only one spirit left for you to help. Oh. Il reste un esprit à aider. Méditer au sanctuaire de la montagne. Ok. Eh bien, let's go. Ah, je rigole, on y va. Vite esquive. Non, je veux pas. Goodbye, little friend. Ouais, du coup, on reconnaît bien les cornes et les petits poils qui ressemblent à de l'herbe un peu. Sur lui, qui était sur la tête principale du dieu des rotes. Allez les gars, let's go. Reprenez votre forme initiale. Sympa. Magnifique. Oh, ok. Ember Lab. Bravo, franchement, super jeu. Ah, la difficulté, maître. Je leur ferais bien avec un peu plus de difficulté, justement. En tout cas, waouh. Quelle aventure. C'est pas très long. J'ai enchaîné, j'ai tellement été pris dedans. Magnifique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que franchement, waouh, scénario très bon, belle histoire, vraiment, graphiquement, c'est beau, il n'y a rien à dire, ça fait plus accessible à tout public, bien entendu, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ça rappelle quand même les derniers Disney, un petit peu Raya, etc. C'est super beau, les musiques, le gameplay est intéressant aussi. J'ai terminé le jeu
Alors, pas à 100%, parce que je n'avais pas tous les rots, mais j'en avais déjà pas mal quand même. Il y a des choses que je ne vous ai pas montrées quand je tournais, que j'ouvrais des coffres et des trucs comme ça. Bref. Je pourrais continuer pour essayer d'explorer un petit peu plus et finaliser vraiment à 100%. Moi, ce qui m'intéresse dans les jeux, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est surtout l'histoire et avancer le scénario, le gameplay, etc. Avoir tous les trésors et tout ça, bon, c'est secondaire. Je me suis éclaté. Franchement, je pense que vous l'avez vu, hein, la diffusion sur la chaîne parle pour elle-même. Mais ouais, super jeu. Vraiment, je suis très satisfait. S'il y a une suite, eh ben, je la ferai avec plaisir. Si vous voulez vous lancer sur le jeu, allez-y. Allez-y, franchement, n'hésitez pas. Il est vraiment accessible en plus à tous. Si vous avez des enfants, ça peut les intéresser. Ça peut... C'est pas trop violent. Tu peux te combattre, etc. Mais c'est très accessible. On peut encore baisser la difficulté. Donc voilà, là, on est en difficulté normale. On peut encore faire moins. Mais c'est vraiment très accessible pour les enfants aussi, je pense. Pour tout le monde, en fait. Voilà, il n'y a pas d'âge pour parcourir Kena Bridge of Spirit. J'ai vraiment adoré. J'ai kiffé. J'espère que vous aussi. En tout cas, si c'est le cas, les petits pouces bleus. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche des notifications. Vous avez en description de la vidéo tous les liens qu'il faut pour soutenir la chaîne, me soutenir moi aussi au passage. Et les réseaux sociaux, le Discord, et voilà. En tout cas, moi je vous retrouve très rapidement sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Je vous remercie d'avoir suivi Kena Bridge of Spirit avec moi, de m'avoir accompagné à travers cette aventure. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.